espèce, quoi. Assez vivante qui bouge un peu partout, voilà. Et donc
ça va changer bientôt parce que c'est vrai respecte rien. Ça peut paraître justement. Et sinon, au niveau de Saturne, pour parler de la grosse activité, alors il y a un champ d'astéroïdes assez. Donc, il y a...
t'amuser, voilà, si tu veux un petit peu d'action. Ils sont genre, je sais pas, ils font genre 1 mètre peut-être. Ils glissent tout le temps, enfin, moi c'est insupportable. Pas du tout, ils sont vraiment. Je sais pas, on dirait qu'ils font exprès. Et du coup, voilà, donc tu peux les désintégrer. Ouais. D'accord. Je sais pas. Sérieusement avec eux en fait. Faut pas te mentir. Vous savez, maintenant on cherche plutôt à comprendre. C'est devenu une attraction quoi. Une attraction touristique. C'est très 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 apprécié. Bah bon. Alors ensuite, il nous reste Neptune. En tout cas dans les planètes de notre compagnie. On est dedans. Sur laquelle on travaille. Il nous reste Neptune.
assez dangereux si on peut évidemment viser pareil, faire des paris. Et au niveau des cours, là c'est assez stylé. Parce que si t'arrives à. Si tu es à l'aise au niveau des cours, après tu peux passer ton permis et après tu peux avoir un vaisseau. Avec ce vaisseau, bah, tu vas pouvoir te balader à travers l'univers entier. Et personnaliser ton vaisseau, tu peux le faire un vaisseau de guerre ou pas. Et bon, après ça dépend de la passion du nick de vaisseau entre guillemets. Mais c'est vrai que. Ça peut être assez sympa, je pense. Après, il faut un peu d'argent quand même. Tu m'as l'air d'être assez aisé. Tu fais partie de toute façon des quelques pourcents de ta planète qui restent donc forcément les plus riches. Mais ouais, les courses de vaisseau, c'est intense. C'est vraiment très très intense. C'est ça, ça sent fort. Enfin bref, voilà.